Mon nom est Soulja, bienvenue dans ce tout premier épisode de Road to Glory de mon joueur W2 2K18. Je n'ai aucune idée de comment ce truc existe, alors je vais tester avec vous. Je m'enligne contre d'autres joueurs, différents matchs, différents jours. Pay-per-view, ok, hebdomadaire. Pay-per-view, hebdomadaire, ok. Faut des étoiles. D'accord. Alors, je suis espoir numéro 1 normal. Alors j'ai un match, ok. Trouve un match, retour au coffre, modifier les bonus. Acheter l'accès à l'événement, tu peux acheter l'accès. T'achètes comment l'accès à l'événement? En gros, tu peux tricher pour pouvoir participer au pay-per-view. Ok, donc là on est samedi 21 octobre, j'ai jusqu'au 23 octobre pour participer au pay-per-view TLC, du coup il me faut 20 étoiles. Ok. Et je peux avoir 35 étoiles par semaine. Ah non, ça c'est dans le coffre, ok. Bon, vous savez quoi? On va faire trouver un match. On va voir comment ça se passe. Donc, en gros, c'est ton joueur de ma carrière que tu peux jouer en ligne avec, contre d'autres joueurs, du coup, vu que c'est en ligne, c'est avec des vrais joueurs. Et du coup, c'est là que tu vas te rendre compte si tu sais bien jouer ou pas, ou si t'es juste fort contre l'ordinateur. Par contre, je sais pas comment ça marche, vu qu'on perso, je viens de débuter avec, il a que 50 de général. Alors, est-ce que ça va être des mecs qui ont le même niveau que moi? Ou alors, est-ce que ça va être des mecs du coup plus forts, vu que s'ils ont déjà joué le jeu depuis une semaine? Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Jim Jam the Milkman. Putain, il est déjà niveau 4, moi je suis que niveau 1, wesh. Je sens que je vais me faire poutrer. Ok. Jimmy Stephens. Ah ok, son... Oh, ça commence bien. The Milkman, c'était son pseudo Xbox, mais son nom c'est Jimmy Safe Hands. Alors, c'est parti, on va dire. Oh. Commentary, this has all the makings of an epic match. Comment sort lui? And from what I heard, I-35 East was backed up for hours this afternoon with fans hoping to get tickets to see this match. Yes, Monkey Flip, il m'a contré. Il faut à tout prix que je me casse, je n'ai aucune technique, qu'une aptitude. Je n'aime pas le rouler en dessous les cordes. Donc je me casse du ring. Je sens que ce match va être terrible. Mais c'est quoi ce trou de balle? Tu vas gagner un match à 0 étoiles, t'es au courant? C'est quoi cette blague? Mais c'est quoi cette blague, wesh? Mais arrête, frère! Mais t'es complètement débile! Mais t'es complètement débile! Putain, mais Jimmy! Jimmy, il a de l'eau dans le cerveau, je crois. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi l'intérêt? Tu perds le match aussi, donc t'es complètement... Mais t'es complètement responsable! Bon, le match est totalement nul. À cause de tout un total fail, à cause du gars qui... Je sais pas. Le gars, c'était un débile. Ok, Paul Barton. Eh, mais ils sont tous plus forts que moi, là. Y'a pas un gars qui a pas encore fait de match, parce que ça aurait été peut-être mieux pour faire mes débuts, non? Ok, bonne chance Paul. Que la meilleure gagne, putain j'ai que 2 contre, il y en a 4. Hop, feinte. Hey. Je sens ce match-là, c'est pas si je gagne. Oh, contre. Par contre, faut que je fasse gaffe à mes contres, j'en ai que 2. Donc on va falloir les utiliser avec précaution. Ok. Ah, il a un t-shirt du shield, c'est cool. Hop, au calme, un petit dropkick. Je n'ai même pas encore personnalisé ma liste de coups. Vu que le personnage vient de le faire. Oh, petite Santon. Non, je pense. Ouais, voilà, je peux aussi monter vu que je suis aérien. J'ai déjà ça de base, que normalement, il faut débloquer l'activité, l'aptitude. Frog Splash, loupé, pas grave. And unfortunately for him, there was no water in the pool. Il n'y avait pas d'eau dans la piscine, je l'ai contré. Nice, back suplex. Alors ça, si je tombe contre des gars réglo, je pense que ça peut être cool. Mais si je tombe sur des débiles... Je voulais totalement pas frapper l'arbitre. Du coup j'en profite, je prends les armes, ça jamais. Ah, fail. Ce fail. Hop, petit contre. On chope, Sling Blade au calme. Petite provocation de Superman là. Je sais pas trop ce que je fais. Oh. Alors je sais pas comment ça s'appelle. Un Head Scissor DDT, je sais pas quoi, c'était cool. Oh, Frankensteiner. Pour l'instant, on en sort pas mal.
Est-ce que je vais réussir à gagner un match? Ça pourrait être bien. Normalement, je me débrouille pas mal en multijoueur. Sur le... Je sais qu'avec W2K17, j'en sortais pas mal. Oh, il m'a contré. Mais je jouais qu'avec des... Oh non, je suis en négatif. Eh, mais j'ai contré là par contre. Elle me fait un rock bottom, puis... Attention, là, ça va être chaud. Oh, chaud, chaud. Ça, j'ai 2 étoiles. Pour un premier match, 2 étoiles, ça fait bien. Quand on en a avoir 3-4, ça serait peut-être bien. Puis si je gagne le match, c'est encore mieux. Parce que, ouais, ça serait bien de gagner le match. Même si, du coup, je ne sais pas si le gars est au même niveau que moi, vu que moi, j'ai que 50 de général, et celui-là a déjà fait plusieurs matchs. Peut-être que... Oh, je contre ton finisher. Nice. Backstabber. Oh, et il est toujours down, Byron. Mais il monte sur ce... C'est pas ça que je voulais faire. C'est totalement pas ça que je voulais faire. Voilà. Parce que je voulais lui faire mon 630 soldier. Attention. 630 soldier tombé. Là, là ça peut être bon. Ça peut être très bon là. 1, 2. Oh, oh, oh. Yes. J'ai gagné mon premier match. Avec 3 étoiles et demi. Eh, c'est pas mal ça. Bravo à toi, The Sprinter 91. J'ai gagné de l'XP. Je suis encore niveau 1, mais j'ai gagné la moitié du niveau, ok. Et du coup, j'ai des points. Du coup, c'est super. Ce... J'ai l'impression que ce mode-là, j'ai bien joué. Parce que du coup, c'est un petit peu genre fun, parce que c'est en multijoueur. Et en plus, tu gagnes des points pour ton mode ma carrière et tout, donc ça peut être cool, tu vois. Donc voilà, j'ai eu 3 étoiles, c'est bien ce que je pensais. 3 étoiles, il m'en faut 20 avant lundi matin. Ça, c'est faisable. Et si j'en ai 35 avant 2 jours, j'ai le coffre. Et le coffre, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je suppose que c'est des bonus. Comme dans les coffres que tu peux acheter. Troisième match contre Ryan. Hop, petite feinte comme d'hab. Hurricane, voilà. Je sens que tout le monde va me faire ça, tout le monde me court dessus, puis moi je les attaque comme ça, calme. Dropkick, au calme. Je sais pas pourquoi je libère la table des commentateurs vu que je n'ai pas de Omega Moment sur la table des commentateurs. C'est juste pour le fun, je suppose. Hop, un petit contre. Comme on les aime. Hop, petit dropkick, comme on les aime. Vas-y, je t'attends là. T'as mis du temps à monter. Hop, tu dégages. Au revoir, merci. Céline. Oh, il m'a contré, sérieux. Merde, j'ai pas vu. Hop, attention, attention. Ça bug. Nice. Nice. Je sais même pas ce que c'était ce truc. La petite vrille dans les airs que j'ai totalement loupé. Ah, toi aussi tu me contres. Alors c'était pas prévu de sauter tout dans le même temps. C'était drôle, sauf que moi je suis encore au sol. Ce qui n'est pas drôle. Je suis trop fair play sur le mode multijoueur moi. Les mecs ils jouent tous comme des putes et puis moi je suis là. Eh hey, mais arrête de faire ça s'il te plaît, ça se fait pas. Ce qui est dommage. Oh j'ai contré, j'ai contré. Non mais non, mais non, mais non. Non mais non. J'ai contré une fois. Faut que je tente mon coup spécial là, qui s'attend pas, je ne sais pas. Et il me fait la même prise qu'il a déjà fait 5 fois aussi. Mais il sait pas jouer ou je sais pas ce qu'il fait. Pourquoi ce mec fait ça? Ça n'a pas de sens. En plus il tape la bite, mais tu fais quoi frère? T'as une manette ou tu... 6 fois qu'il fait cette putain de prise qui ne sert absolument à rien. Genre le mec il m'a fait 2 prises, il nous a fait 15 fois. Tiens mais mange. Mange je t'ai dit. Là, si je peux mettre mon finisher, ça serait cool. Et yes, je peux. C'est mon spine d'espoir que je fais à l'extérieur du ring parce que je peux pas faire mon 630 à l'extérieur. Et du coup, je laisse hein, totalement. Hein. Il se démerde. Si j'arrive à gagner, bah tant mieux pour moi. Mais je crois qu'il va se relever quand même. Ok, je crois que là c'est mort. Ah, coup que je suis dans les cordes. Ouais, je suis dans les cordes.
Là, je suis encore dans les cordes. Non, même pas. Oh, je t'amène en bon. Tu sais quoi, je fais la pute. Je tente de tomber, ça se trouve, il va pas réussir à se dégager. 1, 2, ah, ça va. Ça va, il sait quand même se dégager à tomber. Ce qui est déjà pas mal. Vu qu'il a du mal. Il a du mal avec les touches, le gars là. Oh, 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 nice, 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 nice. C'est pas très. En plus, il me refait. Eh, mais là, ça fait 8 fois au moins. Excuse-moi, Ryan, mais t'es nul. Hein. I'm all the way up. Oh, nice, nice. Là, je suis sûr que je peux le battre, là. Ça serait marrant, mais... Ah, je vais dire, imagine, je le bats là. Peut-être lui faire mon nouveau coup spécial, là. Oh, le splash! C'était nice, ça. C'était très nice. 1, 2... Ah, non, toujours pas, toujours pas. Ok, ok, bien vu, bien vu. Parce que j'attends de monter sur le poteau. Là, si j'ai mon finisher, il se relève pas là. Et j'arrive, si mon finisher, il se relève pas. On va chercher tomber le 630 soldier. 1, 2, 3. Hey! Je suis en streak là. Yes, je suis passé niveau 2. Du coup, est-ce que je débloque des trucs à chaque niveau? Je ne sais pas. Sympa, j'ai eu un coffre. Est-ce qu'on peut l'ouvrir tout de suite? Waouh, super, j'ai gagné un book. Et par contre, j'ai aucune... Ah, les bonus, je crois avoir vu ça. Par contre, comment on fait? Modifier les bonus, voilà. Ok, bon, ça, on s'en souffle un petit peu. Ah, d'accord, j'ai... Non, mais... Ah, les bonus, j'ai... mais... Les putains de bonus, j'ai dit, voilà, plus. J'ai un truc qui me donne plus de points pour 5 matchs, ou j'ai plus de comptes pendant un match. D'accord. Et après, je peux avoir quand plusieurs bonus? Faut monter des rangs pour être environ plus. Ok, d'accord. Bon, je fais 7 étoiles. Je retente un match. Le mec, il a fait AJ Styles, on dirait un sosie de Johnny Hallyday. C'est un peu gênant. Oftentimes in our business, the only way for personal issues to be ultimately resolved. Ok, ça bug à mort, y a pas de... Ah, il y avait zéro bruit de public et tout, c'est un peu bizarre. Par contre, c'est con parce que j'ai déjà plus de contre. Ça va être un petit peu chaud là, parce que je crois que je suis encore plus fort que l'autre de gars de tout à l'heure. Je vais pas me laisser faire, moi, t'inquiète. D'accord, il a trouvé une faille, le gars il veut cheater. Regardez ce qu'il fait, bouffon. Et il est content, parce qu'il me fait relever et il me refait tomber. Il est très content, ce bouffon, et je peux pas le contrer. Ce qui est super, putain Johnny Hallyday, tu casses les couilles. Pourquoi tu cheats? Pourquoi tu cheats, Johnny? Putain, relève-toi. Relève-toi. Et bah Super Saiyan 57, tu es un putain de tricheur avec ton putain de sosie de Johnny et tu pues la merde, merci, au revoir. Bon, je retente un match vu que ce dernier a été loupé à cause de l'autre abruti qui trichait. Max la malice, il a que 3 étoiles, niveau 1. C'est-à-dire que le gars vient débuter aussi comme moi, donc du coup je pense que ça peut être plus simple un match contre lui. Et j'espère qu'il ne va pas tricher comme l'autre teuteux de tout à l'heure. Big Evil The Undertaker 86, il est déjà niveau 9, putain, ça va être chaud. En plus, il a 50 étoiles, donc il a fait une dizaine de matchs, même beaucoup plus. Donc, ça va être très chaud contre celui-là. Ok, Big Evil. Ok, la feinte du début n'a pas marché avec lui. Et je sens qu'il va mettre une misère. Ça l'a pété, là. Hop, une contre. Je crois que avant le prochain épisode, il va falloir que j'augmente beaucoup mon niveau de contre. Ah non, en plus, vu que c'est un big man, des fois il me pousse sans contrer en fait.
C'est genre Big Show, Braun Strowman, quand tu fais des prises contre eux, ils te repoussent même si tu... Enfin, ils se repoussent parce que tu ne sens pas assez affaibli avant que tu puisses leur faire des prises. Ce qui est assez compliqué. Ok, ça va, je me défends. Il se casse du ring. Non, non, mais non. Pas ça, pas ça. Tout mais pas ça. Oh, comment je l'ai brain. Parce que j'ai bugué. Et il se recasse du ring, c'est pas cool ça. C'est pas cool, frère. Et j'ai sauté 10 fois trop loin, je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas le délire. Oups. Oups. Comment je te brain? Non, parce que cette provocation a duré 10 ans. Non, s'il vous plaît. Pas la nuit, la provocation là. Et voilà, il va me tuer. Il va me tuer. Oh, nice. Ça, j'ai réussi à avoir une étoile. Ce qui est déjà... C'est déjà le minimum, on va dire. Minimum à avoir une étoile. Ça va, vas-y, je tente deux étoiles. Oh, 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 yes, yes, j'ai réussi à choper. Boom, DDT. Reste au sol. Il m'a contré. Oh, oh, comment je t'ai brain. Oh mon pote, je suis désolé pour toi. Vite, faut que je fasse mon coup spécial avant qu'il se barre. Voilà, il se barre. Normal. Normal, mec. Oh, 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 oh. Bah forcément, je tape dans le vide. Vu que le jeu bug et que le gars se barre. Et il en profite pour me battre. Ce qui est tout à fait génial. He's still not moving, guys. He might be out, Cole. A punishing strike. Here's his moment, Michael. Here he goes for the win. Two. Three. There's the pinfall. And the victory. Bah super, j'ai pas pu contrôler son finisher parce que c'était pendant un bug, je ne pouvais pas bouger. C'est super. J'adore ce jeu. Donc c'est tout pour ce premier épisode sur Road to Glory. Alors, le mode peut être bien, sauf que pour l'instant, je tombais avec la moitié de mes adversaires, c'était pas des joueurs fair play. Du coup, les matchs étaient pourris, donc ils voulaient juste gagner. Alors que quand tu gagnes un match à 0 étoiles, bah, ça te fait 0 bonus, enfin ils sont un peu cons. C'est pas leur faute. Et des fois ça bug, donc les gens qui quittent, ou alors le mode qui se met à bugger, ça c'est un peu chiant. Donc je sais pas, c'est pas aussi bien qu'ils l'ont annoncé comme truc. J'ai pas encore, enfin, je vais vraiment essayer d'avoir le pay-per-view jusqu'à demain, donc jusqu'à lundi matin pour faire ce pay-per-view. Je vais le finir ce soir ou demain, on verra. C'est tout pour moi. Je vais déjà galérer à faire le montage de cette vidéo qui dure une heure. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Je fais aussi là ma carrière et le mode univers sur ce jeu. Ciao tout le monde. Aimez la vidéo. Soldier out. Oui, oui, très... Oui, oui, très bien. Abonnez-vous à Soldier c'est la vie. Si t'as aimé la vidéo, maintenant tu peux laisser un like. Si t'as aimé la vidéo, maintenant tu peux t'abonner. C'est la vie.